Donc me revoilà, désolé pour la coupure. Hein. Comme vous le savez, tous les 15 minutes avec la PS4 ça coupe. C'est pas à défaut de pouvoir mettre plus sur YouTube. Donc voilà le dessin du cercle. Là je vais vous laisser peut-être un peu plus de temps à regarder. Voilà, mettez pause hein. S'il faut, il n'y a pas de souci. Hein. Oula. Donc là, on va continuer à boucher. Je vais faire tous les côtés d'abord. Je m'en mêle moins les pinceaux quand je fais comme ça. Comme vous l'avez vu, en fait, plus on arrive au bout de la sphère, plus on rétrécit d'un coup, en fait. Donc les cercles, on a tendance à changer plus facilement la taille du cercle en se rapprochant du haut. Regardez, on rétrécit pas juste d'un bloc le cercle, alors que là, c'est tout le temps un bloc, un bloc, un bloc, un bloc. Donc les 3-4 étages du haut, à chaque fois, on rétrécit de 2 blocs et c'est plus sec. C'est la difficulté en fait dans une sphère. Après, avec l'habitude, ça viendra tout seul. Voilà. Si vous voulez venir sur la map pour le voir, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de souci, je vous invite dessus quand on est dispo tous ensemble. Là on va enchaîner comme ça, voilà. Oups, là il me reste à faire aussi. Ensuite, si je me trompe pas, voilà. Pour que ça fasse bien un cercle. Là, ça m'a l'air d'y ressembler, ouais. Et donc ensuite, là, il ne reste que le dernier cercle à finir. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez assez vu là, ouais. Donc il reste que le dernier cercle, qui est le premier cercle de base, à terminer. Donc ça, suffit juste de boucher tout le trou, en fait. Pour le cercle de 50 de large, ça va pas être du gâteau à faire. Mince, pourquoi j'arrive pas à viser? Et là, c'est le centre où que je mettais de la glowstone. Je vais me mettre entre les deux. Voilà, donc comme vous le voyez, elles sont à l'identique. Bon, sauf là, la glowstone, vraiment, ça fait ressortir un peu les angles, on va dire, de la sphère. Ça fait pas mal, je trouve. Vous pouvez très bien les faire en verre. En survie, ça va être très long à faire en verre, une sphère de ce genre. Mais ça peut faire très sympa, genre sous l'eau, pour faire une serre ou n'importe quoi. Vous faites vraiment à votre goût. Et n'hésitez pas à m'envoyer des screens ou vos vidéos si vous faites des trucs à l'intérieur des sphères. Ça peut être sympa à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis à la prochaine tout le monde, salut !